Fait-on maintenant le carnet d'audience du Premier ministre, l'ambassadeur de l'Égypte en fin de mission au Burkina est allé présenter ses adieux au chef du gouvernement. Le ministre nigérien de l'Environnement a lui aussi été reçu en audience par le Premier ministre burkinabé. Pinidi Nyanou, le point. Le ministre nigérien de l'Environnement chez le Premier ministre apollinaire Joachim Son Kelem de Tambela. Présent au Burkina Faso dans le cadre des États généraux sur la gestion intégrée des ressources en eau, il dit être chez le chef du gouvernement burkinabé pour une visite de courtoisie. Le sujet à l'ordre du jour, la gestion intégrée des ressources en eau, mais les problématiques liées à l'environnement de manière générale au niveau de ces États. Et tout naturellement, les contingences de l'heure. Les questions sécuritaires, les questions de terrorisme qui nous a été injustement imposées et que nous partageons ensemble. Dans la soirée d'hier, l'ambassadeur de l'Égypte en fin de mission est également reçu par le Premier ministre. Le diplomate égyptien tient à travers cette démarche à rassurer les Burkinabés de son engagement à toujours œuvrer pour que la paix revienne au pays des hommes intègres. J'ai réitéré la volonté du gouvernement égyptien à continuer et accentuer son coopération bilatérale sur plusieurs domaines, notamment la prochaine ouverture d'une ligne d'aviation entre le Caire et Ouaga, la continuité de la formation des cadres et hauts cadres burkinabés, le soutien politique pour le processus au Burkina Faso, et le soutien dans ses efforts pour redéployer la stabilité sur l'étendue de ce territoire. Ces audiences à la primature se tiennent dans un contexte où le Burkina Faso et d'autres nations réunies à Ouagadougou entendent mutualiser leurs efforts pour gagner le pari de la gestion pérenne des ressources en eau. Tous fondent l'espoir que ces rencontres de haut niveau apportent un nouveau souffle pour des actions concertées entre nations.